coiffure du Sud et René Fit aussi présente l'exposition Imigongo du Rwanda. La source de ces panneaux noirs, blancs ou colorés est venue de l'art d'assembler la terre, le feu, les déjections des vaches et de l'art médicinal. Au début, il y avait Kakira, fils de Kemini, roi de Gisaka, ancienne province de Kibungo, dans le sud-est du Rwanda. Kakira inventa l'art d'embellir les murs intérieurs des maisons d'habitation. Pour décorer cloisons et piliers, on utilisait la bouse de vache afin d'avoir démodelé des arêtes saillantes. Pour avoir des couleurs, on utilisait les terres naturelles, le blanc avec le kaolin, le rouge avec l'ocre, de l'argile. Le noir brillant était produit à partir des cendres d'épluchures de bananes mêlées au suc d'aloès, au fruit de l'humu tobo tobo, le tout dans de l'urine de vache. Dans le district de Ruzumo, à Kibungo, les femmes de l'association revendiquent le savoir-faire de Kakira qui tendait à disparaître au profit d'une production de masse. Elles se sont regroupées et mobilisées pour perpétuer cet art décoratif traditionnel. Après les événements tragiques de 1994, l'association de femmes devenues veuves qui revendiquait le savoir-faire de Kakira a repris le travail solidaire au travers de panneaux décoratifs modelés et peints. À partir de l'année 2001, où cette association a bénéficié d'actions de promotion de ses œuvres, la production mensuelle, qui ne s'élevait alors qu'à une vingtaine de pièces, car elle continuait de travailler au champ pour assurer les récoltes, s'est multipliée. Aujourd'hui, dans leurs ateliers, elles font face à des commandes de plus en plus importantes et prennent le temps d'accueillir les visiteurs avec plaisir. C'est une exposition Coiffure du Sud qui a lieu du 1er au 30 septembre 2012. Le vernissage de l'expo aura lieu le vendredi 7 septembre à partir de 19h en présence de René Fitoussi. Coiffure du Sud est à Castelnau-le-Lez 17 rue Jules Ferry. Retrouvez Coiffure du Sud sur Facebook et sur le site internet coiffuredusud.fr.